Bonjour. Bonjour à tous, c'est Camille de French Today. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Je suis à Ploubazlanec, je suis en Bretagne, en France, et je suis dans un endroit assez intéressant. Ça s'appelle un vivier. Un vivier, c'est un endroit qui vend des animaux vivants, plus précisément des crustacés. Les crustacés, ce sont les crabes, les homards, les choses comme ça. Et donc, voilà, je suis là en fait avec Jeff Cotterba. Ah, bonjour, bonjour. Voilà, Jeff que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait les couvertures de mes livres « À moi Paris ». Et Jeff est là pour passer un peu des vacances avec nous à Paimpol, pratiquer son français et parler d'autres petites coopérations que nous pourrions avoir pour vous. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce vivier qui s'appelle Dauphin et nous allons, je vais vous montrer des choses. Donc je vais essayer de filmer, de parler en même temps. J'espère que vous allez voir. On va voir. Donc ici, voilà, j'espère que vous avez vu. Il y a des araignées. Des araignées, c'est une sorte de crabe. Des crabes qui ressemblent un petit peu aux crabes. Aux États-Unis, vous dites Alaskan King Crab. Mais ici, elles sont très petites, en fait. Mais c'est un peu la même chose. Voilà, donc des araignées. Comme une araignée que vous avez dans les maisons. Mais ça, c'est une araignée de mer. Et elles sont délicieuses. Et je continue par ici. Ici, vous avez d'autres crabes. Voilà, ces crabes-là s'appellent des tourteaux. Un tourteau. Ce sont mes crabes préférés. Moi, je les aime beaucoup. Et à côté, vous avez des coquilles Saint-Jacques. Des délicieuses coquilles Saint-Jacques. Ici, je vous les montre. Voilà, et sur French Today, Olivier a fait une vidéo où il vous montre comment on peut ouvrir une coquille Saint-Jacques. Je mettrai le lien quand je rentrerai chez moi, comme d'habitude. Et je mettrai aussi, bien sûr, le lien à un article où je vous donne le nom de tous ces crustacés et de poissons, etc. Il y a un peu de bruit, j'espère que vous pourrez m'entendre. Alors après, nous avons des homards et des langoustes. Je vous montre. Ici, les beaux homards bleus de Bretagne. Vous voyez les homards? Et là, des langoustes. Voilà, une langouste, comme on peut en trouver en Floride. Eh bien, il y en a ici aussi, à Paimpol. Et ces langoustes, ces homards et ces coquilles Saint-Jacques, je les vois quand je fais de la plongée sous-marine. Donc, mais je les mange aussi, je dois dire, c'est très très bon. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a des huîtres, je vous montre. Voilà, donc il y a des huîtres, une huître. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile à prononcer pour vous. Et encore, sur French Today, j'ai un article avec toute une vidéo sur la fête de l'huître à Paimpol. Et je mettrai le lien dans la description. Vous verrez avec toutes les informations et comment prononcer ce mot, une huître. Voilà. Et à côté des huîtres, il y avait quelque chose d'autre, une praire. Une praire, c'est un autre coquillage comestible, c'est-à-dire un autre coquillage qu'on peut manger. Et voilà, voilà, voilà. Donc, nous allons continuer notre promenade avec Jeff. On va se promener au bord de la mer. Il y a pas mal de bruit. J'espère que vous allez pouvoir m'entendre.
et laissez-moi un commentaire. Comme d'habitude, réagissez. Est-ce que vous aimez les fruits de mer? Est-ce que vous mangez du crabe ou des homards chez vous? Est-ce que vous savez les cuisiner? Bien sûr, est-ce que vous me comprenez? Laissez-moi un petit commentaire. Pressez j'aime, partagez et surtout suivez les liens pour voir les articles sur French Today. Et je vous dis à très bientôt sur French Today. Au revoir.